De nous, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ces hommes noirs, Taïmata, chez notre ennemi. Plus précisément dans la carte de Washington. Balobi maman Marthe Nde. Maman Marthe Nde. Balobi shop Africa Union. Mais quand tu es un gnosso, il y a un Congolais. On y dit que tu es à ça qui s'agit. Pour la Corée, on a un peu de la vie. Pour la Toto, on a un peu de la vie. Pour la Corée, on a un peu de bio. Bio Africa Union. Et toi, tout à l'heure, on a pas six mois. Sinon, on est prêt à dire non, on est à dire. Mon commandant, on est à dire. 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 Pour maman Marthe, pour pas comprendre le thème, pas comme où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, pas pour les radis, Coréenne, appétit. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Na deuxième partie à l'élo, na lingito solo la wamuke. Tomber un peu qu'on réfléchira. Na l'obité que on a zo le beza yangondeza. Mais na tomber un peu qu'on projecter, makambu plus tard. Na bandeli kolo baboué. Na deuxième partie oyo na lingina réfléchir en partant de rien du tout. Hein? Na zo qui na base mon côté. Na zo basé yango le loko mon côté à part makanisinanga, à part ma proposition na zo sala. Je répète donc, je ne suis pas en train de dire Babylon, comment vous va coma quelque part. Je réfléchis et je voudrais partager ma réflexion avec vous. Ou à cause de le Kamboko Bakisana, ou Nazoloba, à Bakisele Bitsokak. Mais l'information ici est à que, d'abord, on a une information. Ezali, monsieur Mukuna, tu sais, si on est toujours dans des missions, Oyo, Abimina nous présente. Mais Akubima, elle a acquitté. Ça, c'est ce qui est acquis. Il est acquitté et il fallait Abimina depuis 9 heures. Mais on a demandé d'attendre à Rubima à 14h. Je suis en train de tourner cette émission, il est midi. Il faut que les gens comprennent ça aussi. Je tourne cette émission, il est 12h. Mais l'évêque Mukuna peut sortir de la prison à 14h. Donc, ceux qui boulandent l'émission, certainement, après 14h, il est possible que M. Mukuna soit déjà à Libanda. Mais ce qui est vrai, ce qui est acquis, c'est qu'il est acquitté. Alors, Libanda est à prison, Bourgoumou est à Congobeuse, dans ma chaîne Moussoussou. Pour moi, que Libanda est à prison, il y a une foule immense qui l'attend. Il y a Renaissance, il y a Aseka, dans certains Congolais, épris de bon sens, qui ont accompagné M. Mukuna Bima. Ce qui est vrai, il faut dire aux Congolais une chose. La justice, ce n'est pas de la magie. Na Makambu o etali justice, le juge n'est pas un magicien. Il fait de tout son mieux pour dire le droit. Pour que le droit soit dit, il faut des preuves. Lorsque vous accusez quelqu'un et que vous en avez preuve, c'est comme compliqué. Mesdames et messieurs, lorsque vous avez été violé, la première des choses à faire, lorsque vous estimez qu'il s'agissait là d'un viol, on saisit le poste de police le plus proche, on saisit un magistrat pour qu'il fasse le constat du viol. Lui, il va le faire en appelant un légiste. Ça veut dire un médecin légiste qui viendra constater le viol. Mais ceux qui ont violé, au Zongie Panabino, au Lali même, au Soukoli, au faire perdre toutes les traces, il y a viol dans Zotonayo, au Bombiango, au commissaire Moloko, l'arme, il y a chantage. En ce moment-là, tu t'es fait complice de ton propre viol. Il faut prouver à l'État qu'on a là qu'il y a une capacité à Koloba pour des raisons X ou Y. Et comme les juges ne sont pas de petits enfants, ils sont allés à l'école pour étudier
l'art, il y a conviction, na l'art, il y a vérité, ba to na ba yebaka ke oyo argumentaire na la solidité au kosi. Donc, il n'est pas toujours important de dire aux Congolais que ngama violenga, ngama violenga, ngama violaka nga attends. Et pourquoi ne c'est si li? C'est pourquoi nous disons ceci. Chères sœurs, lorsque vous subissez ces vices sexuels, soyez les premières personnes à le dénoncer. Il faut qu'on dénonce yango au début. Koki ko zalate ko vandi au bombi yango, au bateli yango, et puis yango vatan broyo kanate na moutou na mou, na violeur na yo, no bimisye. Ou koma na difficulté à prouver. Parce que la, le viol est une infraction instantanée. Et da boy, au sali yango ba moni yango. Et da continuité, te. Et ça, l'infraction, mon gosso, t'as sali yango, sali yango balamoko. Ce n'est pas une histoire, mon t'as sali yango après 10 ans, ma violeur yango dans le temps. Tu auras du mal à prouver. Voilà pourquoi moi j'interpelle mes soeurs. J'ai interpellé ma famille. Botika commercialisation, il y a viol, il y a banana bino. Botika et le kouana, ils ont dit tomba mon côté. Nous vivons dans un pays où, à un moment donné, ils ont fait du viol une arme politique. Ils ont fait du viol des questions, il y a arnaque, il y a mounene. Le mal reste le mal, on est bien d'accord. Mais il ne faut pas utiliser ça comme une arme. Il ne faut pas utiliser ça comme une monnaie d'échange. Beaucoup utilisent un côté. Sinon, comme il est compliqué, c'est indécent et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi les magistrats, je crois que opté pour vérifier qu'il y a penza babiba élément. Oui, qu'on vérifie qu'il y a penza babiba élément. Parce que quand un majeur, parce que le monde dit le viol d'une mineure, ça peut se comprendre. Mais un majeur, quand il dit qu'on m'a violé, il doit prouver. Il doit prouver. Parce qu'il y a un majeur. Au cours du matin, il va violer en 96, c'est l'aube. Non! Dans le 96, l'État n'existait pas. Pourquoi tu n'avais pas porté plainte? Pourquoi tu n'avais pas dénoncé? Pourquoi tu n'avais pas accusé? Il faut que tu aies un moment où il y a ma responsabilité. Ce qui a été dans le cas de l'apport de l'évêque Mukuna, les juges se sont rendus compte que les allégations contre eux sont insuffisantes. Et qu'on permettre de priver de liberté sur base de ma kambo Mouna Kiwana. Ça aussi, c'est un élément important. Et donc, du coup, M. Mukuna avait été arrêté, l'évêque Mukuna était arrêté. Tout le monde a yébi, tout le monde a vu que c'était un dossier totalement vide et qu'il a été finalement le pauvre. Pour la simple et unique raison, il menait une lutte, Bakangelie Ponayango. Aujourd'hui, il est libre. Je dis, il est libre. Mais voilà le problème, c'est que l'évêque Mukuna, vous allez certainement le remarquer, il va mûrir dans sa communication. Mais je suis convaincu qu'il n'abandonnera pas sa lutte. Maintenant, il va changer la manière de parler. Il ne va pas abandonner la lutte. Ah non, je connais bien l'évêque. Je ne le vois pas abandonner. Je ne le vois pas abandonner sa lutte. Seulement, il y a un changement. Il y a une manière de faire. Il va commencer maintenant à s'attaquer aux faits. Et les noms des individus seront secondaires. Il restera maintenant dans le fait. Parce qu'en réalité, la lutte que nous menons pour Mboka Nabiso, ce n'est pas une lutte, il y a bateau. Voilà pourquoi moi, quand les gens me disent, mais Christian, toi aussi, tu commences l'éveil et tout, tu t'attaques aux gens. Non, moi, je n'attaque jamais aux gens. Je rétablis les vérités que j'estime être des vérités. Je peux me tromper, je suis un humain. Celui qui a volé, on ne va pas appeler un voleur un bon monsieur. Il n'y a qu'au Congo où on tue, on brûle les gens parce qu'ils ont volé 1 million, et ceux qui ont volé 10 millions, on les garde. Ce n'est pas possible. On vit dans un pays où ceux qui ont fait le mal portent le chapeau, ils sont bien, ils sont en costume et tout. Mais ce sont des délateurs, ce sont des roublards, des renégats, c'est des petits messieurs tout simplement. Mais donc, comme on donne à Takimou et Bélé, Tolobi Yango a plus d'une fois. Teki, Baby Si, entreprise, il y a l'État, pour le conseil, entreprise, il y a un privé. Bengi, expatrié, on a immigré, on a un bon pour que Bako domine sur Batomoussou. On l'a dit. Ma pékisse initiative, il y a ma Congolais et Tombouana pour que va créer leadership sur Bango. On a vu ça. Ma Kabolimbo, ma Bomimbo, ma secteur Nango, n'y a pas pratiquement. Notre pétrole, on n'en profite pas. Le Rwanda, comme exportateur, il y a Koldianini, il y a Columbus qui était Tanous. Non, non, je crois que j'ai mal prononcé. Ma Komi. Le exportateur, il y a or, il y a coltan. Le vraiment. Ouganda, comme exportateur, il y a or. Ouganda. Avait exporté or et l'équipe a bien aidé. Pour Nanini. Parce qu'on a eu un leadership déficient. Parce qu'on a eu un leadership défaillant.
qui n'a pas su porter le pays dans l'ikolo nango. Alors, Bilo Kamodela, on ne peut pas se taire et regarder dans les yeux. Il faut qu'on se dise. Tant que tout le monde est bon, on fait le mal à qui? Mesdames et messieurs, on a un Sabino Yangouana d'abord. Mais si on a un problème, pour le prophète, l'évêque Mukuna, je suis très convaincu qu'il va rentrer chez lui à la maison. Et de demain déjà, il commencera sa campagne. Il y a éveil patriotique. Ben, il continuera. Mais Bandeko, parlons-en. Tant que tu as un bobomi yango littéralement. Au profit de Babato Nabino Moko, tu as un bobomi. Tant que tu as SCTP. Bobomi yango, société congolaise, il y a télécommunication, il y a poste de télécommunication. Bobomi yango. Tant que bobomi poste Nabiso, société congolaise, il y a un côté limité. Tout est vers Bapaya. Il y a un méga, il y a un unité, il y a un bango. On a fait un bobomi. Quand on sait que les politiciens congolais sont derrière toutes les sales affaires, tout le bâté. Bonjour, Banda Kobato, comme il y a Bino. Non, si c'est un peu de l'autre côté, vous n'avez rien à ce moment-là. Vous arrivez en 96, en 97, vous prenez les parcelles des gens. Tout le bâté kate. Savez-vous, mesdames et messieurs, que nous sommes en train de perdre Makambo Bélé Namboka au Likolo, un leadership mort défaillant au Taki Nango? Est-ce que Bozoé Bakenamboka Oyo, notre pétrole ne nous profite pas? Notre coltan ne nous profite pas. Manganèse n'a pas profité, n'a pas sauté. Uranium, n'a pas sauté. Comment vous pouvez être un pays où vous avez un cuivre? Il y a des fabricants de câbles électriques. Il y a des fabricants de ustensiles, de cuisine, de moussous. Il y a des fabricants de câbles électriques. Il y a des utile pour la vie à bateau. Mais il y a des gens qui importent de sani. Donc, importent de câbles. Donc, importent de câbles. Attendez deux secondes. Mais ce n'est pas possible. Bon, on a pétrole, on a un peu de pétrole, on a une réserve de pétrole, on a un peu. Maintenant, on continue, on a un pétrole, on a un Angola, et on a louf. Oh, essence, on a essence, il y a louf. Mais est-ce qu'on est sérieux, vraiment? T'il est là? Malgré l'espace vert, on a un peu de malgré la verdure, on a un peu de temps. On a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a bien. Pour que tout ça soit une usine laitière, on est capable de faire des usines laitières, on est capable de produire du lait au sens propre. Mais il y a des mille qui sont en Angola, mais est-ce qu'on est sérieux vraiment? Et vous me parlez des hommes qui ont dirigé ce pays, vous me dites que on peut les appeler des excellences, mais c'est des ridicules à la fin. Ce ne sont pas des excellences, c'est des médiocres. Et le dire, ce n'est pas mauvais. Maintenant, notre grand combat sera lequel? Notre véritable combat sera le combat que le système qui s'est qu'est de la système, il y a continuité à m'abêter. Au contraire de la système, c'est pourquoi nous devons être sévères avec ce régime. Je ne dis pas qu'on doit être méchant avec eux, on doit être sévère avec eux. Parce que la méchanceté ne va pas non plus les aider. C'est plutôt notre capacité de dire que ici c'est le mal, ici c'est le bien, qui déterminera si on est vrai ou on est faux. Je voudrais qu'on se pose des questions. Lorsqu'on veut gérer un pays, ici, je vais prendre uniquement la question économique. Que des questions économiques. Non, quant à ma question politique, peut-être plus tard, avec le même tableau, peut-être plus tard. Lorsque nous parlons du Katanga, le Katanga, par rapport à l'économie, il doit représenter les bisous Nini. Tout autant la Nini na Katanga. Lorsque Léopold II, voilà, on a continué le domaine Yangoy Mouchila, il peut venir me contredire, je serai humble, Yarundima, remarque. Voilà. Tant que Léopold II aille, à mon avis que le gisement est dans la Katanga. À mon avis que coltan ni cobalt est dans la Katanga. À mon avis que cuivre est dans la Katanga. Balobi paraîtrait à mon avis plus de 5 ou 7 minéraux. Lithium est dans la Katanga. Makambo est dans la Katanga. Il y en a beaucoup dans le grand Katanga qui était le Shaba à l'époque de Mobutu. Lorsqu'il arrive, il dit non. Pour arriver à ça, il faut de l'argent. Il va donc prendre l'argent dans la province à Équateur qui avait la forêt, le zoo, Makambo Bélé.
Le pétrole aussi, il y en a dans le dans l'équateur. Malheureusement, on avait toi qui vous a dit maman quoi, mais babi diamant et ah toi comme il a qui ne bonne libanga, un peu comme diamant mouton dans ce bon rappel libanga. Bon, ouais, bisopé équateur et bon libanga, c'est vraiment désolant. Moi, on a ma amie qui pense le Congolais sont des génies, ils transforment le diamant en pierre, mais c'est des gens extraordinaires. Ils doivent apprendre blanc, bah, quand bébé. Alors, donc, bah, l'argent qui était à l'équateur, on amène ça au Katanga. Pour financer Mangambele na Katanga wana. Donc, on va dire, ni l'Équateur, ni le Katanga, baza pauvre. Toutes ces deux provinces sont riches. Mais le problème est dans le niveau nini. Le problème, c'est dans un coin, il faut le travail pour que bima bien et la bien. Dans un autre coin, il faut juste gratter un peu, vous avez. Comme le politicien congolais, il est paresseux. Véritablement paresseux. Et qu'il aime la facilité. Donc la fatuité, il se comporte bon comme ça. Aïe, abami kozoa. Comme aïe bi entretenir te, yaye bi ka ko consommer. Comme aïe bi ko protéger te, yaye bi ka ko jouir. Comme aïe bi ko investir te, yaye bi ka ko bénéficier. Alors il va tout détruire. Les matériaux ou akoutaki, les matériels ou akouti, babilo ko bela koutaki à détruire yango. Parce que maintenance est zaté, entretien est zaté, prévision est zaté, alors tu l'appelles Ibosoté. Tout ce qui l'intéresse, c'est Iknouk. Ici et maintenant. Voilà là où ça nous amène. Le Katanga appauvri, on ne peut pas comprendre qu'une province comme le Katanga ne soit pas reliée elle-même. Quand le Katanga est relié à Yangomoko, c'est-à-dire que vous avez mis le nord du Katanga, sud du Katanga, est du Katanga, ouest du Katanga, nous sommes à la relier. Rien. L'est ici n'est pas relié à l'ouest, le nord n'est pas relié au sud. Alors, ce qui est à relier, mais dans quelles conditions? Comment vous imaginez que Mbokao, Cobalt, Cobalt et Zali, Cuivre et Zali, mais Kuna Batona va vendre à Molili? Banamaïté, ils n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas la vie. Il n'y a pas d'usine convenable. Oh, il y a l'usine, il y a Malonga, Ezate. Oh, il y a l'usine, il y a Kamine, Babomi, Babouki. Pourtant, dans le Katanga, à lui seul, pouvait s'offrir une vie de luxe. Dans la ville, il y a Katanga, dans la ville, il y a Allemagne. Dans la Katanga, dans la ville, il y a Belé, Autriche. On pouvait faire des villes là-bas. On a vu qu'on fait rêver Batou. Parce que le Katanga, sans demander à qui que ce soit, le Katanga peut se nourrir tout seul. Le Katanga peut donner de l'emploi à tous les Katangais. Mais on vous ajoute à cela le Congo tout entier. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à vous développer? C'est une grande question qu'on se pose. Tout ça parce que l'homme ne comprend pas tout ça. Du coup, le cobalt... La richesse de Yamboka est à brader. Pourquoi on ne privilégie pas les chemins de fer que le chemin de remorque où on a facilement rétractable? On a une train de quoi? Ce que Bimina point A et comme on a point B et qui t'en a balabala la terre et qui t'es télémia et qui non, le train, le véritable train commercial, ce que Bimina point A et la tine à point B. Mais même tout cas, il y a un peu de zamba, il y a la trajectoire habituelle, ok, dans mon place, mais pas le train. Donc, du coup, la manœuvre de la triche est beaucoup plus facile avec des véhicules que notre train. On a donc privilégié, mais tout cas, que le train. Ils ont privilégié beaucoup plus les véhicules parce que pour permettre la manœuvre facilement, ils ont mis le chemin des rails. Alors, vous allez me dire qu'il faut les respecter, eux. Est-ce que tu veux respecter votre modèle, Wana? Toye na Kiv. Qu'est-ce que Kiv représente pour le pays? Quelles sont les potentialités que Kiv voit? Le Kiv voit le gaz méthane. Ça veut dire le Kiv voit la solution à l'électricité congolaise. Le Kiv, nord et sud. Donc, on va dire simplement que basan la capacité à couper sa Congo Mbimba électricité. Sinon, une bonne partie. Ce qu'on a comme mimaté, bangomo qui va du couper l'électricité. Mais comment qui vous entièrement dans 80% de la population qui vous bana molili? Comment vous m'expliquez que bateau va dans gaz méthane bana molili? Bon, vous allez me dire que bateau bakama qui mboka na baba excellent. Tala ndenge ba mona ka médiocrité à bateau. Et c'est lorsque les gens ont tout mais ne savent pas convertir leur tout à la vie. Médiocrité angoana.
Peu importe le diplôme que tu as, mais tant que tu ne sais pas transformer le potentiel en richesse de vie, matérielle et spirituelle, si vous voulez, c'est compliqué. Le Kivu n'a pas que le gaz, méthane. Le Kivu a des parcs. Ça veut dire que le Kivu est une raison, comment on appelle ça, touristique. Le tourisme na Kivu, ça peut vendre. Nous avons des choses à vendre na Kivu. Historiquement, le Kivu a abrité le premier génocide africain. J'assume mes propos. J'assume mes propos. Le Kivu a bu le sang comme aucun autre pays, disons, oui, aucun autre pays en Afrique, à Mela Makila. Kivu. Donc, en termes de touristes, il y a tourisme, le Kivu est une puissance énorme. Les gens pouvaient avoir des sanctuaires là-bas. Parce qu'au moins plus de deux génocides ont été faits. C'est l'un des grands cimetières de l'histoire, Kivu. Et le Kiyakasai, hein. Et le Kiyakasai, le cimetière le plus long, hein, à un moment donné, dans le Congo, et dans le cimetière, il y a du Katanga au Kasai. C'était là le cimetière le plus long. Mais depuis, le Kivu a battu le record. Il y a eu des morts, mais de manière scandaleuse. Des villages tout entiers décimés. Donc, historiquement, c'est quelque chose à mettre en avant. Le Rwanda a su vendre son petit génocide. Je ne méprise pas. Je ne méprise pas la mort. Parce qu'une personne a Koufi et a passé. Je ne méprise pas ça. Mais le génocide que la RDC a connu n'a rien à voir avec celui du Rwanda. Le Rwanda, en termes de génocide, nous avons été beaucoup plus martyrisés parce que nous avons abrité un génocide dans ce pays. Nous avons assisté à ça. Donc, en termes même, il y a tourisme. Qui vous peut bien vendre? Qui vous peut bien vendre? Mais malheureusement, regardez le contraste. Les gorilles du Congo font rentrer beaucoup plus d'argent au Rwanda qu'au Congo, Yangomoko. Parce que vous n'avez pas d'entretien, vous n'avez pas de maintenance, vous n'avez rien du tout. Le Rwanda, vous n'allez pas demander au Rwanda des exclusions. Vous n'allez pas condamner le Rwanda pour l'organisation. Ils sont organisés, ils savent ce qu'ils veulent. Ben, ils sont plus futés et à un moment donné plus intelligents que vous. Ils peuvent vous tenir au bout de la ligne et tout. C'est normal pour eux, pour avoir ce qu'ils ont. Faux ou bien, mais leur capacité d'organisation est au moins bien pour la banque. Mais nous, de notre côté, rien du tout. Le Congolais préfère vivre à Gizeni parce que là, il n'y aura pas de problème. Ils préfèrent vivre là-bas. Ils préfèrent faire leurs affaires là-bas. Pourquoi pas chez nous au Congo? Parce que chez nous, il y a une sorte d'irresponsabilité, d'une sorte de nonchalance, manque à prévision et tout, c'est comme ça. Mais l'équipe, vous n'avez pas que ça. Je ne citerai pas tout. L'équipe, vous n'avez pas que ça. L'équipe voit la verdure. L'équipe, vous pouvez nous donner de la viande. De la viande. Il y a ngombe, il y a tabac, il y a ngoulou. On pouvait avoir des grandes fermes là-bas, mais véritablement des fermes là-bas, sur des montagnes, sur des collines et autre chose. Je me rappelle quand j'étais petit, inhabité, quand j'étais trop petit, il y avait Bitabe, je ne parle pas de Bisamounou, parce que Bisamounou, ils habitent au Mobe dans la Goma, ils veulent comme Kemba, mais inhabité, comment on appelle encore ça? Tono Liango à l'époque, on a Mango, na Madesu, Bakalingi, ils avaient bien fort. Ils avaient dit, on a Birai, non, Birai c'est autre chose, Birai je crois dans Mbala, na Madesu. Vous voyez qu'il y a un souvenir, non? Ouais. Ça va faire plus de 20 ans qu'ils aient quitté les coins. Mais j'ai quand même des. Hein, j'étais jeune à l'époque, mais je pouvais voir ça. Tant qu'il y a Bisamounou, tant qu'il y a Moussigati. On avait toutes ces choses quand on jouait. Jérémy Mbimarabonate. On avait ça. Et donc, voyez-vous comment c'était. Comment c'était. Donc, on peut avoir ça. On est bien. On est bien. Mais malheureusement, rien ne se passe là-bas. Les gens continuent à souffrir. J'étais étonné au moment où il y a Kivu, Banam Soubaza malnutri. Comment vous dites ça? Mais c'est un blasphème! La malnutrition dans un pays où les fleurs poussent sur le mur, vous n'arrivez pas à pousser les champs chez vous. Le Congo devrait être un véritable endroit où il y a ma plantation et des plantations. Biso Congo, tu as dit exportaka. Disons, oui, tu exportaka des tonnes, il y a ça fou. Des tonnes de tomates, des tonnes de oignons, des tonnes, il y a pas, ah, il y a pas là, nous, on allait être un pays où nous exportons les épices
comme n'importe, comme aucun autre pays dans le monde. Mais parce que nous n'avons pas la culture rwanda, on a tout politisé malheureusement. Ouais, on avait dit Kivu. On attend, on avait Kivu. Est-ce qu'on a tangi ma fromage? Est-ce qu'on a bêti ma solo ma fraise? Est-ce qu'on a bêti ma solo ma fruit? Est-ce qu'on a bêti ma solo ma mbisi na bango? Ma tilapia et autres? On a bêti ma solo naté. Mais c'est des richesses que nous pouvons aujourd'hui commercialiser. Mais malheureusement, on n'est pas là. On n'est pas là. Ce qui est dans le Bandundu, il est vrai que dans le Bandundu, je ne connais pas beaucoup de choses. Hein, je ne connais pas beaucoup de choses dans le Bandundu. C'est pourquoi je dis que dans le Bandundu, on va parler des vastes étendues. Il y a ma plantation. On va parler du plateau de Bateke, je crois. On va parler qu'il y a beaucoup d'endroits, beaucoup d'espaces au Batouaki, au Salanango. Mais ça là. Et puis, et produire. Mais malheureusement, on n'en fait rien. Ce qui est dans Bakongo. Bakongo, c'est. En termes de tourisme, mais c'est terrible le Bakongo. Le Bakongo, c'est une belle histoire. C'est une ville sur des pierres. Il suffit que quand on a Bakongo, on a entré dans Gowana. J'oublie encore la petite entrée. Mais si on continue, mais on pose, je crois. Je sais pas. Excusez-moi si je me trompe. À l'entrée. Mais tu vois la ville sur des pierres, s'il vous plaît. Mais c'est un endroit, un potentiel touristique énorme. N'oubliez pas que le Bas-Congo, c'est Kimbangu dont on parle. Dans le Bas-Congo, c'est Kimbangu. Nous avons le pétrole de Mwanda. Mais nous avons des vastes étendues. Pour ça, la Bilanga. Le Congo central, c'est notre... Mais attendez deux secondes, c'est un poumon pour nous. Le port de Banana, en eau profonde, on peut le construire là-bas. Le Bas-Congo, c'est la fenêtre du Congo pour l'humanité. C'est la fenêtre, c'est le début de tout. C'est le début de notre colonisation. C'est là où... Mais ce n'est pas possible. C'est là où il y a l'embouchure du fleuve Congo, dans le Bas-Congo. Mais c'est une merveille de la nature. Mais je ne comprends pas, le Congo est... Non, mes frères. Vous savez, parfois, j'ai envie de quitter le pays. Mais quand je regarde ce pays, je me dis non... Moi, je remercie Dieu tous les jours de m'avoir créé Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Vous n'avez aucune idée. Je suis né avec une cuillère d'or dans la bouche. Et cette cuillère d'or, c'est la RDC qui bat dans mon cœur. Ce pays est une merveille. Mais malheureusement, entre les mains indignes. Malheureusement, entre les mains des incompétents et des inconscients. Mais le Congo est une merveille. Le Congo est un paradis. Il n'y a pas un beau... Non, mais il n'y a pas un plus beau pays que la RDC. Il n'y en a pas. Si le pays est dans cet état, mais il est beau, alors dites-moi un peu si on le nettoie, si on le présente à l'humanité. Batmaké, Dubaï, Dubaï est mieux que la RDC. Non, Dubaï est construit, s'il vous plaît. Ne comparez pas. Oh, ok, les États-Unis sont un pays merveilleux. Oui, mais mon frère, les États-Unis sont construits. La France est construite, l'Allemagne est construite. Ces villes-là, donc comparées à la RDC, elles sont ma ville construite. Mais regardez le Congo dans sa nature de jungle. Mais ce pays est beau. Ce pays est une merveille. Ce pays est un don. Malheureusement, entre les mains des aveugles, le pays est en train de sombrer. Mais ce pays est une merveille. Faites un tour d'abord au Congo. Allez voir le pont Maréchal. Allez voir la splendeur, vous dites, mais Dieu existe. Moi, je crois que si on amène les athées au Congo, ils comprendront que Dieu existe. Sans qu'on les prêche. Sans qu'on leur prêche, ils comprendront eux-mêmes et par eux-mêmes que Dieu, ce n'est pas une histoire. Il existe. Il existe à travers les montagnes du Congo, il existe à travers cette beauté de la RDC. Mais dites à vos enfants qui sont nés en Afrique du Sud, dites à vos enfants qui sont nés en dehors de nos terres, dites à vos enfants... qui n'auront aucun autre beau pays comme celui-ci. Dites à vos enfants que ce pays est une chance. Ce pays est une faveur. Ce pays est une grâce. Naître congolais est un avantage inestimable. Ce pays est une bénédiction que nous avons rendue en malédiction. Heureusement pour nous, les choses vont littéralement changer parce que nous appartenons à cette génération qui va faire changer les choses. Je vous communique cet amour de ce pays. Moi, j'adore ce pays. I love RDC. On dit quoi? I like RDC. I love RDC. I love DRC. DRC is country beautiful. Oh, bah, on est anglais, côté. It's beautiful country.
Hein? Donc, grammatically quoi? Grammatically, musika ina omo. Très loin. Omo, you understand? This country is beautiful. Beautiful country. Souka yango alors. Après ça, il n'y a plus rien. Ce pays est un bonheur. Là, je ne vous ai parlé que du Congo central. Bonjour, le continent Kasaï. C'est vrai, Kasaï, je ne connais pas trop. Hein. Je ne connais pas beaucoup des richesses dans Kasaï. Je ne connais pas beaucoup de choses là-bas. Il faut que j'étudie encore dans le Kasaï ce qu'il y a de bon là-bas. Je ne vous ai pas parlé de la province orientale. Je ne vous ai pas parlé de l'Équateur. Je ne vous ai pas parlé de Kinshasa. Je vous ai juste parlé de 2, 3, 4 provinces. Non, chaque jour, quand vous vous réveillez le matin, partout où vous trouvez, demandez à Dieu d'ouvrir les yeux aux Congolais. Pour qu'ils voient le bonheur qu'ils ont. Il n'y a aucune question que l'on peut poser pour que le Congo n'ait pas de réponse. Quand l'humanité avait besoin d'arrêter la guerre, la deuxième guerre mondiale, on a demandé à la RDC. Et la RDC a sorti son uranium. La guerre s'est arrêtée. Quand on avait besoin de régler la question du paludisme, on a regardé encore ici chez nous, on a trouvé des solutions. Bref, la RDC est une merveille. Moi, je bénis Dieu tous les jours parce qu'il m'a fait Congolais. Je bénis Dieu tous les jours parce que je suis né équatorien. Je bénis Dieu tous les jours parce que j'ai un père équatorien et j'ai une mère kivoussienne. Je bénis Dieu pour ça et je ne lui reproche de rien du tout. Déjà être né Congolais, c'est déjà un avantage important. Maintenant, c'est à nous de savoir ce qu'on va laisser à nos enfants. Mesdames et messieurs, battons-nous tous les jours, pas pour les individus, battons-nous tous les jours pour laisser ce pays bien entier à nos enfants. Quittons ce débat d'individus, quittons ce débat des partis politiques, ça ne nous amène nulle part. Contemplons et battons-nous pour sauver ce pays. Battons-nous pour que ce pays ne soit vendu à personne et qu'aucun centimètre de ce pays ne soit donné à qui que ce soit. Notre défi, le plus grand défi que nous avons, c'est de confier ce pays entier, tel qu'on nous a légué à nos enfants. De la même manière, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les Congolais, que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. Salut tout le monde, moi c'est Achille Boutungu. I do work for Unishow by AFH. Anda Cedric aussi. Toza ko faire appel na bino nyonso to boza ko landanga sikoyo. O azo vive na kati ya UK, ya Royaume-Uni seulement. Ke toza ko pesa ba service protection ya assurance. Toza pesa assurance vie, life insurance. Eza ke soki mo toza na bon moite, ba futi yo mbongo. Mbongo ba ko futa yo, eza pona ko couvrir na enterrement, pe na soko tika héritage na bana yo et en même temps soza ki na ndako ozwa kana crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza so suna auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki moto abeli azana ndako osala ka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant ko zana ndako zo sala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que nous avons bien au foot, nous avons protégé nous avons foot. Nous avons une autre critical illness, assurance maladie. Tant que nous avons un problème de santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Nous avons un témoignage de belly, nous avons un foot parce que belly m'a dit critique. Nous avons juste besoin de témoigner par rapport à ma campagne d'assurance, on de qu'on a biso Achille Azako Sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa e autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e singela ki par rapport na o biso to zoa. Ke za aventure te e za vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc cause la tête na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes et noirs, Taïr Adachi, notre néné, n'a qu'il n'y a pas d'apico. Loye Mali, loye Bolonde, Nelani, Sambar.